bien ça. J'aime bien ça. Petite salle de bain et tout. Ouais, ouais, ouais. On va là. Allez. Mais c'est mon pied! Je suis actuellement à Dunkerque pour le taf durant ces deux prochains jours et j'ai un emploi du temps assez serré. Et donc, à la base, j'étais parti pour ne rien faire si ce n'est taffer. J'avais pas prévu de faire de photos, j'avais pas prévu de faire de vidéos. Et point, focus sur le taf, focus sur mon planning, c'est tout. Et en fait, il y a peut-être moyen que je me dégage une demi-heure, une heure. Pourquoi pas pour faire quelques photos, parce qu'il se trouve que, bon, je connais pas très bien Dunkerque, mais il y a plusieurs parties dans la ville. Il y a le centre-ville, il y a le côté plage, et il y a le côté industrialo-portuaire. Il se trouve qu'actuellement, je suis typiquement dans la zone portuaire de Dunkerque. Du coup, c'est des ports, des anciens ports, des entrepôts réaménagés, des hangars, tout ça. Et c'est vraiment visuel, il y a vraiment un truc, il y a vraiment une ambiance. Le problème, c'est que comme j'étais parti à la base du postulat que je n'avais pas le temps pour faire de la photo, j'ai pas pris d'appareil. J'ai pas pris d'appareil photo argentique. Mais j'ai celui-là. Du coup, je vais essayer de faire un peu de photos avec, avec cet appareil-là. C'est l'appareil que de base j'utilise pour faire mes photos de concert. C'est un Sony A7S3, mais c'est pas l'appareil avec lequel je fais de la photo. Parce que j'aime pas trop la photo Sony, ça a des couleurs dont je suis pas fan. Et pour avoir fait du Fujifilm avant, ça n'a rien à voir. On va essayer de sortir un peu de sa zone de confort, on va essayer de faire un peu de street avec ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on sait jamais. Let's go! Actuellement, ça va au restaurant. Oui. On est deux jours après la séquence que vous venez de voir et comme prévu, j'ai pas eu le temps de faire plus de photos. Dès le lendemain, j'ai tout de suite repris le taf et j'ai pas forcément trouvé l'occasion de me libérer un peu de temps pour continuer un peu à faire de la street, pour continuer à faire 2-3 plans de coupe. C'est particulier de refaire de la street au numérique parce que même si l'argentique m'a donné des clés, et là je parle notamment en street, pour me rapprocher un peu plus de mon sujet, pour essayer d'analyser mes scènes. Le fait d'avoir un numérique en main, ça me donnait inconsciemment l'envie de refaire une photo, de faire plus ou moins plusieurs fois la même photo. Et je me suis rendu compte, en triant du coup, que non seulement je perdais le naturel de ma scène, je trouve, je perdais le côté instinctif qui fait que j'ai pris cette photo, et au final, toutes les photos que j'ai fait par la suite étaient moins bien que mon idée de base et que mon premier déclenchement. Voilà, c'est tout ce que j'en retire de cette petite expérience, notamment en street au numérique. Faut savoir que du numérique, j'en fais en concert, et là, j'ai aucun problème. Mais c'est pas la même chose. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était vraiment une petite vidéo. Si on commence à rentrer dans le débat argentique-numérique, on n'en a pas fini, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera un jour sur la chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao. Control that we become. No, no, no. No control that we become.